En Belgique, il y a trop d'immigrés. Quoi, ça vous choque? Pourtant, d'après un sondage, vous êtes 6 sur 10 à le penser. Mais combien d'immigrés y a-t-il réellement en Belgique? Alors, les immigrés en Belgique représentent moins de 10% de la population, environ 1 million de personnes. Ce sont des personnes qui sont venues de l'étranger. Si on y ajoute les personnes qui n'étaient pas belges à la naissance, on monte là à 2 millions de personnes, environ 18% de la population du pays. Et contrairement aux idées reçues, plus de 6 immigrants sur 10 viennent de l'Union européenne. Dans l'ordre, les étrangers qui viennent s'installer chez nous sont d'abord français, puis roumains, puis néerlandais, enfin polonais. Et tous les Marocains alors? Eh bien, ils représentent moins de 6% des immigrants étrangers. Il y a-t-il vraiment une augmentation de l'immigration chez nous? La Belgique a connu un pic d'immigration en 2010 avec 140 000 personnes. Depuis lors, l'immigration diminue d'année en année. 138 000 personnes en 2011, 124 000 personnes en 2012 et 122 000 personnes en 2013. Et tous ces réfugiés alors? En 2015, la Belgique a délivré le statut de réfugié lors de 6 demandes sur 10. Ça vous plairait, vous, qu'on vous renvoie en Irak, en Syrie ou en Afghanistan? Sur la première moitié de 2015, 7000 personnes ont obtenu le statut de réfugié, soit 0,06% de la population. Est-ce que ces gens reçoivent une aide financière? Les demandeurs d'asile qui introduisent une demande de reconnaissance du statut de réfugié en Belgique sont à charge de l'État pendant la période de la procédure. Ils ne peuvent pas travailler, ils sont logés, ils sont nourris, ils ne reçoivent pas d'aide financière, à l'exception dans certains cas de 7 euros par semaine pour un ticket de bus ou de métro. Et c'est vrai qu'accueillir les migrants, ça coûte de l'argent. 303 millions d'euros en 2014. Mais cela ne représente que 0,15% des dépenses du pays. En plus, d'après l'OCDE, l'immigration rapporterait en moyenne 3500 euros de rentrée fiscale par individu et par an. Et puis n'oubliez pas que pour 5 étrangers qui viennent en Belgique, 4 Belges ou étrangers quittent le pays. Car oui, un Belge sur 20 est lui aussi un étranger dans un autre pays.